Les chefs de défense des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin 2022 à Goma pour étudier la mise en place d'une force régionale pour la paix destinée à neutraliser les groupes armés locaux et étrangers qui écument l'Est de la RDC. Dans son mot de bienvenue, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a salué la tenue de cette rencontre de portée stratégique et a invité les participants à accorder une attention particulière aux différentes réflexions des experts. Leurs Excellences, Messieurs les Présidents des pays membres de la communauté, ont ordonné, en ce qui concerne le volet militaire, que tous les groupes armés locaux actifs en République démocratique du Congo participent sans condition au processus politique visant à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. À défaut de cela, ils seront conséquemment traqués par la force sous-régionale. Que tous les groupes armés étrangers actifs en République démocratique du Congo soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. À défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement par la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général du Kenya, président de la conférence, a rassuré que toute la région reste déterminée à mettre fin au phénomène groupes armés dans l'est du pays, avec la détermination de tous les pays membres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien que nous réalisons en exclusivité sur Congo Live. Nous analysons en tout cas cette question d'actualité. Il faut rappeler que les chefs d'état-major généraux des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est se réunissent depuis hier lundi à Goma, au Nord Kivu. Il faut préciser que ces chefs discutent en tout cas comment mettre en place une force commune régionale pour contenir et combattre toutes les forces négatives qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut dire que, hormis le Rwanda, parce qu'en tout cas tous les autres pays responsables des armées de l'Est africain, disons Africa Community, vont en tout cas prendre part à cette rencontre de haute portée stratégique. Selon en tout cas les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, il faut dire que les délégations du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la RDC et du Soudan du Sud, en tout cas ces journées à Goma, sauf la délégation du Rwanda. Alors, selon nos sources, la délégation du Rwanda est absente depuis en tout cas le début de cette rencontre qui s'est ouverte par des travaux préparatoires des experts qui se sont clôturés la nuit du dimanche 5 juin. Mais les raisons ne sont pas en tout cas jusque-là élucidées par rapport donc à l'absence du Rwanda. Mais c'est pas, Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Vous avez en tout cas suivi les sujets. Il s'est ouvert à Goma. Une réunion qui réunit en tout cas tous les chefs d'État généraux des pays voisins de la sous-région à l'absence du Rwanda. Comment vous d'abord vous analysez c'est encore une fois depuis ces rencontres qui vise à mettre en place des forces régionales communes pour essayer un peu de mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés locaux et étrangers qui pillent encore sur les sols congolais. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à la population congolaise en général, surtout nos téléspectateurs. Félicitations, je profite de votre caméra pour féliciter encore nos compatriotes, le premier patriote d'ailleurs de la République, qui sont nos militaires, qui se battent du jour au jour et qui respectent vraiment toutes les règles d'une guerre, puisque nous l'avions appris qu'ils ont encore été attaqué par les terroristes en 2023. Alors, moi, je crois, pour répondre à la question principale sur l'ouverture de cette réunion vraiment extra
stratégique. C'est quelque chose que nous saluons. D'ailleurs, pour nous, la lucha, on avait écrit une lettre qui demandait l'arrivée d'une force d'interposition entre nous et les Rwandais. C'est quelque chose que nous félicitons, nous encourageons nos autorités de voir qu'ils ont porté la voix à la plus haute hiérarchie, même sur l'instance diplomatique. C'est quelque chose que nous devons analyser avec les deux pieds et se poser aussi tant de questions sur l'absence de ce petit pays mille collines, le pays soupçonné de soutenir les terroristes. Mais aussi, c'est quelque chose qui ne doit pas nous tenir à gorge, puisque on va parler de ceux qui sont en train de commettre au Congo. C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir, monsieur le journaliste. C'est quelque chose d'ailleurs à saluer. Est-ce que pensez-vous que, parce que ce n'est pas la première fois que nous observons de telles réunions, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de nouveau au-delà de ce qu'on nous a annoncé que ces États se réunissent pour réfléchir comment mettre ensemble une force commune donc de tous ces États-là afin de venir intervenir sur les sols congolais et traquer tous ces groupes armés, surtout étrangers, là je cite ADF, FDLR, M20, bon, je ne sais pas, d'autres, donc tous les groupes armés étrangers. Alors, vous savez, monsieur le journaliste, tous les pays qui ont été convoqués, bien tous les pays qui sont présents à la dite réunion, sont des pays, plupart entre eux, ont des rebelles sur le sol congolais. Quand on parle du Burundi, on voit directement FNL. Quand on parle de l'Ouganda, on voit directement ADF Nalu. Et je crois que la présence du Soudan aussi, c'est très capital. Tout simplement, puisque si vous vous rappelez, monsieur le journaliste, il y a ces réfugiés soudanais qui étaient sur le sol congolais, dont nous ne savons plus s'ils étaient rapatriés. Ouais, ils sont déjà retournés dans leur pays, c'était d'ailleurs officiel. On a pu couvrir cet événement ici à Goma. Exactement, nous ne savons pas si c'était en intégralité ou pas, mais aussi c'est un pays limitrophe de la RDC et dont l'armée soudanaise n'est pas aussi moindre, monsieur le journaliste. C'est que nous sommes à la période où on doit s'allier avec tout celui qui veut la paix. Et il faut que les gens comprennent que la guerre aujourd'hui, c'est archaïque. Ici, chez nous, en Afrique, normalement, il était grand temps de résoudre toutes les questions sur table. Mais aussi, il faut qu'on précise une seule chose, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans la région des Grands Lacs, nous vivons dans une méfiance totale, où nous ne savons plus qui est tel, qui est tel, qui n'est pas tel. C'est qu'il fallait que les gens se battent pour que les conflits de pouvoir ne puissent pas atteindre les populations civiles. C'est pourquoi je pense que Rwandais qu'ils soient, Congolais qu'ils soient, Burundais, Soudanais, quelqu'un de la sous-région des Grands Lacs devrait normalement soutenir tous les processus visant à nous amener la paix. C'est que ces assises, même si on en aille assez, mais je crois que cette réunion est extraordinaire que toutes les réunions qu'on a déjà eues, monsieur le journaliste. Nous avons pu, c'est là d'ailleurs une dépêche de nos confrères de la radio Okapi, les Rwandais n'a pas pris part à ces assises. C'est vrai, en lisant bien, et aussi non pas si savoir pourquoi les raisons de l'absence du Rwanda, c'est là pourquoi le Rwanda n'est pas venu participer, parce qu'on a vu d'autres réunions qui s'est passées dans des années passées et le Rwanda venait toujours, mais pourquoi pour cette dernière, donc la réunion d'hier, le Rwanda n'était pas là? Il faut comprendre que il y a mésentente entre le pouvoir de Kinshasa et le pouvoir de Kigali. Et ces derniers temps, vraiment, des relations diplomatiques sont tendues entre le pouvoir de Kinshasa et le pouvoir de Kigali. Mais aussi, il fallait qu'on puisse bien préciser que nous, notre philosophie, c'est de voir une Afrique réunie à son sein, c'est d'avoir une Afrique capable de discuter autour d'une table sur tout ce qui touche les intérêts congolais de la sous-région en général. C'est que il fallait que les politiciens, il fallait que les politiciens rwandais et congolais aussi
puisse éviter de mêler la population civile dans cette histoire. Puisque je l'ai entendu aussi dans un forum où un politicien de haute portée disait que tout Rwandais n'est plus le bienvenu sur le sol congolais. Et c'est comme ça que vous voyez que aussi nos compatriotes sont enlevés au Rwanda du jour au jour. Mais moi, je pense que les relations qui se détériorent du jour au jour entre Kigali et Kinshasa ne devraient pas toucher la population. Mais cette détérioration doit aussi servir de leçon à nos dirigeants. Regarde aujourd'hui une grande réunion si importante comme celle qui se tient aujourd'hui à l'hôtel Serena à Goma, où l'un des accusés n'est pas présent sur la table. Mais c'est gravissime, monsieur le journaliste. Pensez-vous que Kigali se reprocherait quelque chose? Oui, en fait, on a dit le policier le plus puissant, c'est votre morale. C'est que du fait de Kigali de s'absenter à cette réunion, il faut aussi se poser beaucoup de questions. Est-ce que Kigali était invité? Est-ce que Kigali n'était pas invité? Et si Kigali était invité et s'abstenir de ne pas prendre part à la réunion, c'est comprendre tout simplement qu'il est conscient de ce qu'il fait au Congo. Et en amont, il ne peut plus venir puisqu'il connaît en amont ce qu'on va discuter en aval. Qu'est-ce qu'il fait au Congo, comme vous l'avez dit? Moi, je pense ici, c'est nous. Puisque nous sommes la partie des Manderes, en même temps nous sommes la partie des Fanderes, puisque Kigali nous acquise et nous acquisons Kigali, et nous on acquise Kigali avec des preuves. Nous aimerions que Kigali soit présent sur terrain, afin qu'il soit jugé par ses pairs, monsieur le journaliste. Puisque nous autres nous pensons qu'il fallait voir comment est-ce qu'on peut résoudre la question de la sous-région, une crise de la sous-région dans la sous-région. Puisque nous sommes les poumons de la sous-région. Si vous comprenez si RGL, autres existent, puisque nous existons. Si les Congo n'existaient pas, vous n'entendrez jamais ces petits pays comme Kigali monter au créneau. Nos autorités qui sont présentes dans cette réunion devraient normalement avoir des questions qui touchent les besoins de la population, mais aussi les populations de la sous-région en général. Revenons sur cette question. Nous avons suivi lors du séjour du président Tshisekedi au Congo Brazza dans un entretien accordé à nos confrères des Jeunes Afriques et à l'AFP, l'agence France Presse. En tout cas, le président Tshisekedi n'a pas passé par trois chemins. Il est revenu sur la question M23 FRDC dans les Rutshuru Nyiragongo. Il a bien précisé qu'en tout cas, l'M23 est soutenu par les Rwandais. Encore une déclaration du chef de l'État qui a fait polémique, qui a fait susciter des réactions sur les réseaux sociaux partout au pays, même à l'international. Nous avons suivi des médias qui ont relayé sur ça. Vous, en suivant le président, en tout cas, lui aussi déclaré directement que cette rébellion M23 est soutenue par les Rwandais. Ça vous dit quoi? On disait toujours nous autres que l'M23 n'était pas un groupe armé local, l'M23 était un groupe armé étranger, c'était un groupe armé d'occupation rwandaise. Et quand je parle d'occupation rwandaise, ça me touche moi, civil, de voir qu'il y a des jeunes qui sont recrutés au Rwanda pour venir créer de l'insécurité en RDC, comme Bi, dont jusqu'à maintenant elle reste floue puisqu'ils n'atteindront jamais leurs objectifs qui figurent parmi celles de balkaniser la RDC, le pillage de nos ressources. Aujourd'hui, nous réfléchissons d'une autre manière. Mais aussi, le sérieux problème qu'il faut savoir est que le chef de l'État reste le premier citoyen d'une république. Que ce soit au Congo, partout ailleurs, quand on est chef de l'État, on est premier citoyen. Un premier citoyen ne peut pas tenir des propos dont il ne dispose pas de preuves. C'est que il s'avère que monsieur Tshisekedi, le chef de l'État, a des preuves et ces preuves existent. Si nous, on les disait depuis 2012, quand on soutenait nos FARDC, on voyait là où provenaient ces miliciens, ces terroristes de M23. Ils provenaient du Rwanda, de leur colline du Rwanda. Alors, et aujourd'hui, le chef de l'État l'a déclaré, puisque même l'armée l'avait déjà déclaré, monsieur le journaliste. Et on a vu même des images qui le prouvent. C'est que le chef de l'État a tellement raison. Mais il faut savoir qu'on ne devient pas chef aussi pour
pour se plaindre. On devient chef puisqu'on a des pistes de solutions à des mots qui ruinent votre juridiction. Puisque le chef de l'État, la République, en général, c'est sa juridiction. C'est qu'il doit avoir des pistes de solutions sur ce que nous vivons. En plus, ça s'est dit... C'est le fond. Ouais, vous l'avez dit également, il faut avoir des pistes de solutions parce que vous êtes également congolais. Qu'est-ce que vous pouvez proposer au chef de l'État, quant à ça, il faut qu'il fasse quoi concrètement pour mettre fin à tout ce qui se passe dans cette région? Non, il n'est pas question de passer par quatre chemins ou bien au dos de la cuillère. Moi, j'espère que ce qui va nous aider, puisqu'on a essayé, par tous les moyens, la diplomatie, en signant même des accords avec les Rwandais, c'est qu'il faut savoir qu'on impose la paix. C'est la paix, c'est-à-dire il faut faire quoi? Imposer la paix, c'est accepter, d'ailleurs le chef de l'État lui l'a souligné, soit la paix totale ou bien la guerre totale. Et lorsque l'adversaire est bien connu, la guerre est simple. Vous voyez, c'est que le chef de l'État devrait normalement remanier notre armée, puisque nous nous sommes rendus compte tous dans l'ensemble de la République que l'armée est infiltrée jusqu'aux dents. Il fallait remanier les services de sécurité. Imaginez quelqu'un proche, quand il tient des propos discourtois, un chef de l'État. C'est quelque chose qu'il faut voir avec les yeux grandement ouverts. Et après avoir remanié l'armée, il faut revoir aussi les sociales de nos militaires, puisque c'est ridicule. Un membre de la famille se trouvant au front, quand il vous appelle, qu'il n'a plus à manger. C'est... Non, non, pour le moment, quand même, nous n'avons plus des militaires qui se plaignent quant à ça. Et ça, on ne peut même pas dire aux médias. Alors, mais s'il vous plaît, Espoir, la question, qu'est-ce que vous recommandez quoi concrètement au chef de l'État? Parce que moi, j'ai l'impression, ça, on doit l'avouer, on doit le dire également au micro, j'ai l'impression qu'on a un chef de l'État. Même quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a vu ce chef de l'État-là qui a, je sais pas, l'esprit, qui a l'envie, qui veut ramener la paix dans l'est du pays. C'est ça, c'est comme si c'est parmi ses soucis et les souhaits. Mais vous, en tant que peuple, population, vous devez aussi aider ce chef de l'État parce que c'est un humain aussi. Même si vous n'êtes pas peut-être dans les services de sécurité, mais quand même, vous êtes aussi sur le terrain. Vous voulez qu'il fasse quoi concrètement des pistes de solutions pour sortir de cette crise? Parce que c'est une question qui persiste. Et j'ai l'impression qu'on est loin de mettre fin à toutes ces hostilités qui se passent et qui se produisent chaque jour. Moi, j'espère, monsieur le journaliste. Cette question, c'est une question purement grande et c'est une question qui renferme beaucoup de chapitres. Vous savez, si on parle de la guerre à l'Est, il faut bien distinguer les guerres qu'on a toujours vécues ici chez nous à l'Est du pays, surtout dans la province Nord Kivu et du Sud Kivu. Partons d'abord, il y a ceux-là qui disent qu'il y a guerre puisqu'il y a des oppresseurs qui nous combattent de l'extérieur, et il y a d'autres à l'intérieur. C'est que nous avons des sortes de guerres. Nous avons des guerres qui sont causées par les étrangers et d'autres par les nationaux. Les nationaux, ils disent que c'est à cause du chômage, c'est à cause de l'autodéfense, puisque nous sommes envahis. Et d'autres disent que non, nous, on ne soutient plus notre armée, puisque l'armée est composée par des étrangers, vous voyez. Alors, et pour remédier à tout cela, il faut ne fût-ce que trois choses, monsieur le journaliste. Il faut créer une condition qui va pousser à la jeunesse de ne plus adhérer dans des groupes armés pour éviter des guerres internes, c'est que des guerres causées par des groupes armés. Vous avez vu la multiplicité du jour au jour des groupes armés. C'est que ces conditions doivent être soit la création d'emplois ou bien aussi soutenir l'entrepreneuriat. Et en soutenant l'entrepreneuriat, c'est éliminer certaines taxes qui empêchent aux jeunes d'entreprendre. S'il vous plaît, partons lentement. Je comprends bien. S'il vous plaît,
On reste d'abord sur cette première piste. Quand vous dites, c'est vrai, c'est parmi, je crois que c'est parmi les pistes des soldats. Maintenant, qu'en est-il maintenant pour les groupes armés étrangers? C'est parce que c'est presque eux qui causent problème. Voilà. Alors, parce que surtout, vous aviez toujours pointé du doigt l'M23 comme un groupe. Vous l'avez même dit tout à l'heure que c'est un groupe de jeunes rwandais, voilà, machin, machin, fabriqué par Kigali, tout ça. Maintenant, pour les groupes armés, surtout étrangers, et je rentre et je m'élimine sur ta réflexion de dire que l'M23 aussi c'est un groupe étranger. Oui, exactement. Je vais partir tout simplement de l'exemple. Il faut créer aussi des emplois pour les FDLR, pour ADF, pour M23. Mais non, monsieur le journaliste, je reviens sur ce que moi je vécu dans cette ville en 2012. Pour en finir avec, ça ne demande pas beaucoup de choses, monsieur le journaliste. Il faut qu'il y ait dotation de moyens efficaces à notre armée. Il faut que notre armée, que leur situation socio-économique soit revue à la hausse, qu'ils soient traités comme d'autres armées du monde, qu'ils soient traités comme d'autres personnes au pays, monsieur le journaliste. Et lorsqu'on va tenir en considération la situation des militaires, la situation d'un policier, d'un agent de renseignement, mais comprenez qu'ils n'auront plus là où passer, monsieur le journaliste. Et quand notre armée commence la guerre, il faut la laisser finir la guerre. Mais savez-vous que ce cessez-le-feu, quelquefois, touche la morale de nos militaires, monsieur le journaliste? Moi, je suis presque de la famille militaire, puisque nous en avons assez dans notre famille. Et il y a des combattants qui ont accepté de servir sous les drapeaux, et d'autres sont nos amis. Ils sont prêts à combattre et à finir avec... Vous avez vu Mamadou en 2012 dans cette ville. Vous avez vu ce qu'il a fait à Beni quand il a récupéré les Madina, que les gens traitaient déjà de triangle de la mort. Alors, mais quand ce vaillant est venu, il a bien collaboré, puisqu'il faut aussi revoir la collaboration civilo-militaire, messieurs les journalistes. Lorsqu'on va améliorer ces deux situations, la collaboration civilo-militaire, l'amélioration et la dotation de moyens conséquents à notre armée. Et il faut aussi éviter l'interférence politicard de ces petits politicards qui interfèrent du jour au jour quand nos vaillants soldats sont sur les champs de bataille, monsieur le journaliste. Tendons vers la fin de cet entretien. Et moi, nous avons appris, peut-être que c'est notre sujet, en tout cas chez nous, qu'on va développer avec d'autres invités, mais et moi, nous avons appris qu'il y a eu reprise depuis hier des hostilités entre les FARDC et les terroristes M23. Dans une communication hier soir devant la presse, les porte-parole, donc l'armée congolaise a accusé encore une fois de plus. L'armée a précisé que 2 militaires congolais sont morts et 5 autres grièvement blessés. Et moi, par rapport à ce qui se passe, dans moins de 2 minutes. Alors, ce sont là les conséquences qu'on a toujours décriées de ces cessez-le-feu, monsieur le journaliste. Puisque notre armée, lorsque l'armée est vraiment au pied d'en finir avec ces terroristes, on a toujours décrété un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu laisse à ces terroristes de se récomposer encore une fois. Et lorsqu'ils se récomposent encore, ils trouvent encore une force de leurs alliés pour combattre, pour attaquer nos FARDC. C'est que il fallait qu'on laisse les libres champs à nos FARDC de poursuivre ces terroristes et d'en finir avec. Et nous sommes sûrs et certains que grâce aujourd'hui à ce que nous vivons comme collaboration civilo-militaire, nos FARDC, ils sont prêts et ils ont juré d'en finir avec ces terroristes. C'est que nous profitons de votre caméra pour féliciter nos combattants, nos vaillants. Il faut préciser qu'il y a une colline aussi qui a été récupérée par les FARDC après un violent combat. Ils sont à mesure, monsieur le journaliste, ils sont à mesure de protéger l'intégrité du territoire national. Et nous sommes contents, nous comme population, de voir que l'M23, ce groupe des inciviques étrangers, a été classé à la même liste que les groupes terroristes. C'est que nos compatriotes, ces vaillants combattants, ne vont plus accepter ce cessez-le-feu. Ils vont les pourchasser même jusqu'à ce que le dernier rentre dans les trous où il est venu. Merci beaucoup. Alors, pour finir, il faut préciser qu'il y a l'un, en tout cas, de nos habituels invités, messieurs Patrick Bala, que nous avons appris depuis le week-end dernier
qu'il a été enlevé. En plus, plusieurs sources et sa famille également pointent du doigt Kigali. Donc, le gouvernement rwandais de l'avoir donc d'être au centre de tout ça, parce que Monsieur Bala lui vivait à Kisenyi depuis plusieurs mois, mais c'est comme si ses dernières sorties médiatiques, parce que c'était un peu hostile au pouvoir de Kigali, et du coup la famille a alerté depuis le week-end que Bala est introuvable. Et d'ailleurs nous avons appris ce matin qu'il y a une manifestation de la population de Goma qui va descendre jusqu'à la petite et grande, donc au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda, pour exiger au Rwanda de libérer les Congolais Patrick Bala, qui est d'ailleurs un membre de l'Union Sacrée. Et moi, par rapport à cela, parce que ça inquiète, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il n'y a aucune communication côté gouvernement, pendant également côté rwandais, mais en tout cas toutes les sources au niveau de Goma et Gisenyi et la famille du docteur Patrick Bala parlent que c'est Kigali qui est à la base, parce que c'est là où il vivait à Gisenyi. Vous savez, à Gisenyi c'est Rwanda, donc il a fait des sorties médiatiques c'est quelques dernier jour ici à Goma, où ça semblait en tout cas menacer les intérêts du Rwanda. C'est que les médias locaux disent. Comment vous trouvez cela? Dans moins d'une minute, et une pensée en tout cas à Bala. Patrick Bala, personnellement, c'est un proche, c'est un ami. On a toujours été avec lui devant la caméra. On s'est toujours rencontré dans des assises qui regroupent les activistes. Nous condamnons fermement cet énième enlèvement d'un activiste et d'un politicien congolais. C'est ainsi que nous autres avons pensé qu'il ne fallait pas que cette crise que cette crise politique entre Kigali et Kinshasa ne puisse pas toucher les populations civiles. Bala est innocent. Courage. Il s'est juste exprimé en tant que Congolais sur sa question de son pays. Il est innocent, courageux, prêt à défendre l'intérêt de la République démocratique du Congo qui est son pays. Je crois que ses propos ne devraient pas être le chemin ou bien l'objectif ou ni motif de son enlèvement. Ce que nous exigeons de Kigali, de libérer Patrick Bala dans un bref délai, faute de quoi cela risque de renouer encore une crise plus pire que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, monsieur le journaliste. C'est que nous réclamons sa libération et on demande toujours un soutien indéfectible à l'un de nous, puisque c'est notre confrère, c'est notre compatriote qu'on ne peut pas les laisser périr dans les mains de Kigali. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé l'interview, lâchez vos commentaires. En tout cas, surtout partagez la partie ici où, vous savez, il s'agit d'une vie. La population de Goma s'inquiète. Un Congolais a levé à Gisenyi, pendant qu'il y a une vive tension entre Kigali et Kinshasa. Donc, Patrick Bala, comme vous le connaissez, c'est parmi nos intervenants. En tout cas, vous avez suivi toutes ces interventions chez nous. Il est membre de l'Union Sacrée au Nord Kivu. Donc, c'est un Congolais qui a toujours l'habitude de défendre aussi l'intérêt de son pays, parce que c'est un vrai patriote, ça, il faut l'avouer. Merci, mesdames et messieurs. Nous fixons rendez-vous à tout à l'heure. Congo Live, on est là pour vous transmettre les informations en temps réel. Merci beaucoup. Espoir d'avoir été là. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Merci et à tout à l'heure.